Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré au deuxième trophée de l'édition. Aujourd'hui, je vous dévoile le prix de la création éditoriale. Il s'agit de repérer une idée originale, un projet innovant qui s'est démarqué dans la production éditoriale de l'année. Dans cette catégorie, la concurrence est rude, nous avions pas moins de 47 dossiers cette année. Après d'âpres délibérations, le jury a décidé de primer un dossier qui revenait dans beaucoup de catégories par son dynamisme et son ambition. Le lauréat 2020 du trophée de la création éditoriale est J.C. Lattès pour le lancement de son label de littérature La Grenade. Découvrons notre lauréat en images. J'ai promis un truc nouveau, putain. Il faut que je trouve vite un nom de label et des textes. Et en attendant, je cherche avec le museau dans la poussière. Putain, mon vieux, t'as encore parlé trop vite. On est ravis d'avoir reçu ce prix. C'est la récompense d'un travail acharné depuis un an maintenant. On a lancé le label juste avant le premier confinement. Donc c'est aussi la récompense d'un travail d'équipe, parce qu'on a 6 auteurs qui ont été publiés cette année. On a aussi Véronique Cardi, qui dirige les éditions Lattès, Jeanne Morozov, qui est éditrice, Charlotte Rousseau, qui est attachée de presse, Émilie Narès, attachée de presse, et Vincent Eudeline. Alors, La Grenade, c'est un label au sein des éditions J.C. Lattès, et c'est un label qui se destine à promouvoir et à publier des premiers romans et des nouvelles voix. En fait, on a envie d'apporter un nouvel air au monde de l'édition et de la littérature. Moi, je pense qu'avant tout, un auteur, un artiste, c'est de l'énergie, et il y a tout un tas de personnes qui pourraient écrire, qui pourraient publier des livres, mais qui se tiennent à distance du monde de l'édition parce qu'elles ne connaissent pas. Donc nous, notre mission, en tout cas ce qu'on a envie de faire, c'est d'accompagner ces gens et de les aider à publier leur premier roman, en tout cas à publier leur premier roman, avec une direction artistique. Pourquoi c'est un label et pas une collection? Parce qu'en fait, ici, j'ai un bureau. C'est un bureau qui est un laboratoire où les gens peuvent venir travailler, poser des questions, partager leurs doutes, discuter, échanger, prendre des tampons, en fait. En tout cas, tamponner le passeport de confiance pour qu'ils aient un visa et qu'ils avancent. On fait tout un tas de choses aussi en termes d'événementiel, comme un grand collage. On a collé le roman Saccharose dans la rue. On a eu 250 personnes, c'était chouette, c'était jeune, c'était pétillant. On a aussi collé Noces de Jasmin dans une librairie. Et on va continuer comme ça à l'avenir. L'idée, c'est de faire parler du livre autrement, de mélanger les arts. Et là, en l'occurrence, c'était le street art et la littérature. Hello from the United States. It was an honor to serve on the jury for this year's Trophée de l'édition. It was also a true pleasure, as usually in non-pandemic times, I have a chance to travel to France and around the world to meet publishers and visit booksellers, getting inspired by new ideas and creativity. Helping judge this year's prizes served that purpose brilliantly, and there was one imprint that stood out in many categories. First of all, they miraculously managed to launch during this incredibly difficult time of confinement and lockdown. They express a clear sense of purpose. From the start, all their actions as publishers reinforce their mission to discover new voices and diversify the literary landscape, something that is a top of mind priority for publishing the world over. Their list has a strong brand identity, and yet each publication has its own distinctive DNA and personality. And even during this time of confinement, they have embarked on creative ways to engage readers, from guerrilla street art campaigns to hosting online writing workshops led by their authors. I'm so impressed with La Grenade. Even their name and logo is pure genius, not only for its double meaning in the French language, but for its deliciousness and versatility in our culinary lives. Congratulations to the team at La Grenade for this well-deserved award. Voilà pour le gagnant du trophée de la création éditoriale. Demain à 11h dans la quotidienne, vous retrouverez Vinci Thomas qui vous dévoilera le coup de cœur du jury. Merci de nous avoir suivis et passez une bonne journée.